Bonjour Yvan, vous êtes le participant le plus âgé de l'étape du Tour Acte 2. Vous avez plus de 50 ans de vélo derrière vous. Vous avez aussi 13 participations de l'étape du Tour, un véritable habitué. La première question que je peux vous poser, c'est bien évidemment la passion qui vous anime autour du vélo. Oui, ben c'est-à-dire, moi je fais du vélo depuis 1950 en compétition, oui. Pratiquement. J'ai toujours été passionné de vélo. Oui. Je continue le plus loin possible. Oui. À partir du moment où je sais qu'il y a un monsieur marchand qui a 100 ans, qui est recordman du monde, 24 heures, il a fait 24 km dans l'heure. Oui. Et moi qui est beaucoup plus jeune que lui, mais ça me redonne encore du moral pour aller plus loin. Alors, je crois que dans la vie, il faut toujours avoir un but pour aller plus loin. Alors demain, vous aurez 201 km, hein, justement. Oui. Vous connaissez bien les Pyrénées. Oui. Un petit mot, justement, sur le profil de l'étape qui vous attend demain. Oui, alors demain, donc, le premier col, c'est l'Aubis, c'est pas n'importe qui. Oui. L'Aubis, c'est très dur, c'est 17 km. Faut gérer, là. Oui. Après, on va faire une partie du Soulard, mais c'est pas très long, 3 km. Après la descente jusqu'au pied du Tourmalet. Oui. Et à partir du moment qu'on a fait cette descente, on tourne à droite et là, à partir de là, ça monte jusqu'en haut. D'accord. Et là, parce qu'il y a moins de pourcentage et puis les 15 derniers kilomètres pour aller au Tourmalet sont très très durs. C'est quand même très dur, oui. Alors, pour franchir tous ces sommets, vous avez quand même 4500 km d'entraînement à votre compteur. Oui. Vous pensez boucler cette étape aux alentours de 11h, oui. C'est ça? J'ai essayé de faire ça, puisque c'est la limite. J'ai essayé de le faire. Oui. Je pense que j'y arriverai mieux, mais après, il faut voir. Il faudra que je gère. Il faudra que je m'alimente. Il faut beaucoup boire. Il faut gérer. Je suis assez habitué, mais oui. Par contre, l'âge, c'est l'âge. Il faut que je gère. Alors il faut souligner quand même que sur ces 13 participations, un seul abandon, oui. Dans des conditions climatiques extrêmes. Voilà. Oui. Autrement, j'ai eu des chutes que j'ai pas été au bout non plus, mais pour moi je ne considère pas que c'est des abandons. Oui. Alors on se retrouvera bien évidemment demain à Bagnères de Luchon. Oui. Yvan, je vous souhaite bonne chance, on se retrouvera à l'arrivée pour le débriefing de course. À demain, oui. Bon courage. Merci.